Eh bien, bonjour, on se retrouve directement sur la deuxième partie hein, de cette vidéo. Cette fois-ci, comme vous voyez, je fais une vraie différence entre les vidéos. Mais c'est juste parce que bah, j'ai mon compteur cette fois-ci qui apparaît sur mon deuxième écran. Donc, c'est juste pour ça, sinon, bah, ça serait comme les autres, non? Allez, hop, comme d'hab, vous connaissez la musique, pylône. Là et ici, pas besoin de plus. Voilà, maintenant on peut retourner ici pour faire quelques défenses anti-aériennes. Hein. Encore une fois, ces défenses c'est juste là pour protéger la base un minimum, surtout bah, contre les unités juges de mes deux là qui me prennent le jeu. Ils prennent le chou là. Voilà. Encore une fois, là maintenant je vais faire un espacement. Pas besoin d'en avoir trop. Parce que c'est de la consommation de ressources inutile. Et voilà. Donc vous ici. Voilà. Vous allez rejoindre vos potes là et il m'en manquait juste un ici. On va se faire quelques observateurs parce que hein, comme vous avez vu bah, ils ont des comme je vous ai expliqué ils ont des unités qui sont chiantes et qui peuvent se masquer. Voilà. Donc là j'en ai un bon paquet, peut-être un peu de trop, juste pour cette zone. On va les envoyer ici. Ici, 5 pour 3500 de Vespine, ouais non c'est pas mal. Donc là maintenant on va avancer un peu nos détecteurs, parce que maintenant ils nous servent plus à rien là où ils sont. Je crois que j'en avais un aussi ici, des détecteurs, mais... J'ai l'impression qu'il a été détruit. Ouais, faut croire. Bon, c'est pas grave. De toute façon, maintenant, on va mettre nos détecteurs. Allez, hop, venez ici. On va un peu maintenant les améliorer parce que, bah... Forcément, maintenant que je peux me le permettre. Hein. Ah! 9 porte-nefs. 11. Et. Ah, mon geyser est vide. Bon, c'est pas surprenant, hein. Tu vas aller là, mon porte-nef maintenant il est prêt. Ah bah quand même. Comme vous voyez là c'est prise de position et tout. Ah non là maintenant j'y vais bien, je suis sérieux hein, dans ma bataille. Bon, en théorie je devrais voir arriver un ennemi. Quoique, oh ici ils peuvent passer, on peut passer sans risque d'être vu. Ah, c'est sympa, ça, je le savais pas. Tiens, tu vas m'en faire un ici. Voilà. Non, je crois que c'est bon, il n'y a pas la peine. Voilà. Maintenant, là, on pourra voir si jamais ils veulent tenter un débarquement. Je devrais pouvoir voir les unités ennemies. Parce que là, on a quand même une belle zone de vue. Donc, il faudrait vraiment qu'ils passent juste ici. D'ailleurs, est-ce qu'il me reste encore? Ah oui, il me reste encore deux. Mais comme vous voyez, là maintenant, je me suis bien étalé, on va dire. Hein.
Opération terminée. Donc là, portée, on s'en fout. Là, on s'en fout de tout ça. Là, on va faire l'amélioration ici. Donc toi, tu vas aller maintenant ici parce que j'ai envie de voir ce qui se passe là. Et toi, tu vas ici parce que j'ai peur qu'il y en ait un qui se ramène ici. Voilà, ça c'est bientôt fini. Et on se retrouve là. Avec, j'ai quasiment la moitié de la carte à moi. Ce qui change un peu de quand j'ai commencé. Parce que quand j'ai commencé, c'était un peu la galère. Mais comme vous voyez, je galère moins que la mission précédente. Là, c'est... Pourtant, dans la mission précédente, on avait plus de ressources. Hein. C'était quand même assez monstrueux, toutes les ressources qu'on avait. Donc là... Là, maintenant, il va falloir se méfier de ça. Des Templiers. Maintenant, il faut que je voie où l'ennemi s'est entassé et... Oh, on pourrait peut-être attaquer par ici. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand monde. Je pourrais même installer encore une base qui serait toute fraîche et me permettrait encore un pied accès ici. Ouais, allez hop, c'est parti, c'est décidé. Mon armée de porte-nefs est prête. Là, je vais en faire 5 parce que c'est ce qu'il va me falloir. En route. Voilà. Cette fois-ci, c'est moi qui attaque. Punaise! Les 12, hein! Vous voyez, c'est ça que je déteste! Ils ont une attaque de merde! En plus, là, ils vont mettre bien 3 porte-nefs comme ça. Dès que eux seront libérés, hop, on attaque. Heureusement, vous n'allez pas m'avoir comme ça parce que je vais me faire une deuxième armée de porte-nefs. Oui, je sais. Là, j'y vais peut-être un peu fort avec la deuxième armée de gaz. La deuxième armée. Mais bon. En plus, là, vous voyez, il les cache bien et tout. Non, mais c'est vraiment un sadique, hein. À l'ordi, c'est bien joué, hein, parce que là, de toute façon, ça, c'est ma cible prioritaire, parce que dès que ça va être libéré, il va soit me réattaquer, de toute façon, il peut pas, hein, quand je suis... Voilà. Putain. Et comme je vous dis, là, c'est, il fait vraiment tout pour bien faire chier, quoi. Ça, c'est vraiment le pire de tout, quoi. Heureusement, ces porte-nefs vont quand même bien souffrir, parce que là, j'ai quand même encore pas mal de troupes derrière. Et comme je vous dis, hein, c'est vraiment pas évident à gérer les rouges. Hein. L'armée rouge, c'est vraiment la pire dans ce niveau. Allez, crève, Sharon, crève! Ouais, mais là, maintenant, t'es foutu. Toi, tu...
Même si mon armée commence à être un peu plus détruite là. Le problème c'est que vous voyez c'est. Là, vu qu'il ramène toutes ses troupes là, forcément je les perds et forcément les uns après les autres. Allez, hop, on fait encore des porte-nefs. Allez hop, vite, on va vite porter secours quand même à nos compatriotes, à notre base, hein. Enfin, c'est pas nos compatriotes, c'est même pas nos compatriotes, c'est nous-mêmes. On va vite se porter secours. Comme vous avez vu, il ramène même encore un porte-nef derrière. Il faut que j'aille me les farcir ces deux-là parce que sinon ça va être la mort. Mais bon, maintenant il a perdu ces deux juges-là. Ça devrait être pas mal. Ça devrait déjà être un peu plus simple. Voilà, c'est déjà mieux. Bon, j'en ai quand même perdu 4 ici. Alors là, 2, 4, 6, 8, 10. Ah, il m'en manque plus que 2 et je pourrais refaire une deuxième armée de 12 porte-neufs. Enfin, quoique celle-là, elle est plus tellement complète, il m'en manque 4. Mais bon, comme vous avez vu là, deux armées de porte-neufs, quoi. Mais bon, là, c'est. Je pense qu'on a déjà vu une bonne partie de la difficulté a été retirée. Donc ici, ah ben. Vous servez plus à rien, vous. Parce qu'avec ça, il n'y a quasiment rien. Donc on va vous envoyer ici. Le temps que vous arriviez, ça devrait aller. Toi, tu vas même construire déjà me lancer la construction de ça. Et toi, tu vas me lancer la construction de ça. Voilà. Ah là, je vous dis, je fais. Là, j'y vais vraiment à fond, hein. Et hop. Ah, j'ai entendu un bruit que j'adore entendre. Porte-neuf. Prêt. Voilà. Encore un porte-neuf. Donc ça, là, j'en fais 6. Et là, j'en ai 6. Oui! Ah oui, non, mais là, je vais bientôt recouvrir. Pourquoi? Ah oui, parce qu'il y a du monde. Voilà. Ah oui, non, mais là, c'est à la limite. Bientôt, j'aurai toute la carte en visuel, quoi. Bientôt, personne ne pourra péter de travers sans que je le sache. Mais bon, ça, c'est. Comme vous avez vu avec les unités contre qui je me bats, j'ai vraiment pas le choix, je suis obligé de jouer. Comme vous voyez là, la base rouge est juste ici. Donc là, on la voit. Voilà. Maintenant, j'ai un aperçu visuel sur la base ennemie.
Donc on va rapprocher tous nos sondes. Voilà. Et voilà, maintenant on sait où est la base ennemie. Vous restez ici en arrière. Non mais... Voilà. Mais 6. Ah mais ils vont regretter le jour où ils m'ont attaqué ceux-là. Je vous le garantis, ils vont vraiment le regretter. Bien. Hop, au boulot. Où il était le vide? Ah, le là. Voilà. Est-ce que vous êtes tous là? Oui. Hop. Maintenant, c'est à celui-là que vous allez bosser. Base là est devenue inutile. Ah, quand je vous dis que je bosse quand même, que là je fais vraiment du travail à la chaîne, là maintenant. Ah, bah quand on a les moyens, on se fait plaisir. Hein. Là, et là, c'est le cas maintenant. Hein. Je crois que je vais d'abord m'occuper de cette base avec mes 6 là, avec les 12 que je vais faire ici. Je vais m'occuper de cette petite base, de ce petit poste avancé, et après, on s'attaquera à la grosse base juste là. Ah, j'en ai encore un ici. Je sais pas trop l'utilité. Bah, tu vas aller avec les autres là. Voilà. Ah, quand je vous dis que les porte-nefs c'est des unités de malades, hein, je mentais pas. Hein. Maintenant, là, l'ennemi il fera rien du tout, quoi. Bon, sauf s'il lui reste encore ça que je déteste et des juges, mais je pense pas qu'il doit en avoir et je pense pas qu'il en fera d'autres. Ça, c'est aussi l'un des avantages quand même. Non, mais sinon, ça serait trop cheaté parce que c'est déjà assez cheaté comme ça, comme unité, quoi. Sincèrement, c'est des unités trop cheatées. Ah, on approche. Eux, de toute façon, ils sont un petit peu malades, mais bon, on les enverra quand même à l'assaut, hein. De toute façon, il y aura deux assauts, hein. Je prendrai l'assaut sur le flanc droit et l'autre sur le flanc gauche. Avec 24 porte-nefs, je crois que là, ça va être assez drôle. Je pense pas qu'il puisse faire quelque chose. Mais bon, comme vous voyez, c'était pas, ça n'a pas été évident là, hein. La bataille ici a été quand même assez chaude. Heureusement, je m'en suis assez bien sorti. Donc, alors, ici on s'en sort. Voilà. 10 porte-neuf. Oh. Et tout neuf, hein. Jamais utilisé. Et ici, bon, ici tout va bien. Hein. Ça récolte. Je reçois encore plein de Vespines. Là aussi, je récolte et tout. Non, c'est génial. Ah non, mais là, j'ai récolté comme un malade. Là, je veux dire, tout ce qui reste, c'est... Ah ouais, il reste 200 cristaux de minéraux ici. J'ai vidé deux de Vespen et bientôt un troisième, je pense. Ah oui, il faut que je fasse les quatre qui me manquent. Voilà. Mais bon, cela, je vais d'abord... Je vais pas vous laisser languir plus longtemps. Je vais d'abord aller attaquer cette base. Dès que eux, ils ont leur... les trois premiers ont fini d'être construits. Et on descend. Et on se fait une première base. Avec ces nouveaux... avec mon armée 2. Ah! Oh, ils envoient des observateurs pour voir ce que je fais. Ouh!
D'ailleurs, ça me fait penser que moi aussi, je ferais peut-être mieux de mettre des... de faire deux observateurs pour cette armée-là. Juste au cas où. Comme ça, je détruis tout, hein, sur mon passage. Personne de vivant. Allez, on se dépêche. Oui. Voilà, l'armée 2 est prête. Et comme vous pouvez voir, ça va faire mal, hein. Bon, j'espère que vous n'entendrez pas tous les klaxons là qu'il y a dehors. C'est absolument chut, hallucinant, quoi. Oh, allez, ici. Ah oui, il y a du monde. Il y avait du monde. Ah. Disait. Ah, maintenant c'est à moi de rigoler. Hein, parce qu'après la mission précédente qui était vraiment la plus dure. Franchement, pour moi, c'était la plus dure des missions. Ah, bah, ceux-là, ils sont pratiquement frais. Porte-nef, prêt. Mais bon, comme je vous l'ai dit, là, ma mission, c'est maintenant cette base ici. Et là, on va se le faire, lui, parce que c'est le pire des, la pire des unités, celle. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on peut y aller tranquillou. Comme vous voyez, j'ai quand même perdu un. Hein. Mais bon, c'est à cause de l'eau de blaireau là de. C'est encore une fois la faute de. Ah, de ce templier là avec son éclair là, ça m'a bousillé toute ma défense quoi. Toutes mes défenses sont tombées, donc forcément, si les défenses tombent, ben. Tiens, j'ai perdu un petit vaisseau. Non, ben là, la... Je crois qu'ils ont compris qu'ils étaient foutus ici et ils ont abandonné. Bon, ici, la mission, elle m'obligeait pas à détruire toutes les bases, mais bon. Là, c'est vraiment... Ils m'ont tellement énervé dans la mission précédente que pour moi, c'est... J'avais pas le choix, quoi. Il fallait vraiment que je les extermine. C'est une opération d'extermination, là. Voilà. Première partie de la mission d'extermination terminée. Donc, vous allez rejoindre la deuxième armée ici. Et bientôt, on va pouvoir lancer l'assaut final. Ah oui, là, je les ai... La mission, je les ai vraiment bien pris de chaque côté. Ils vont vraiment pas faire long feu.
Allez, 4 porte-nefs, on se dépêche, les gars. Bien. It's new. Ah, on rattaque encore. Non, mais le pire, c'est qu'ils essayent vraiment, quoi. Je veux dire, attends, le petit vaisseau-là, il veut faire quoi face à nous? À 11 porte-nefs, tu t'espères quoi? Sincèrement, il espérait quoi? Voilà. Contrôle 1. Voilà. Bon, ben, maintenant, on va y aller avec la première vague sur le côté gauche. Non, ça, c'est la droite. Je suis un peu... Vu que d'un côté ils étaient assez occupés, bah forcément moi je m'incruste. Hein. Exécuteur, nous avons trouvé Tassadar. Nous allons tenter de le libérer. Mais bon, là, on va s'occuper juste de détruire ce qu'il y a autour. Parce qu'en fait, là, il suffit juste de détruire ça pour gagner la mission. Mais bon, je vais pas séparer la mission en deux. Là, juste pour vous faire une petite vidéo de 5 minutes. Enfin, là, elle fait déjà bien 20 minutes. Et comme vous voyez, quoi, la mission, elle est... C'est autre chose, hein. Une fois qu'on a les porte-nefs, c'est vraiment autre chose. Bon, finalement, hein, une fois qu'on a détruit toutes leurs unités bien chiantes, bah c'est fini, quoi. Ça devient promenade de santé, cette mission. De toute façon, là, ils ont plus rien pour vraiment m'opposer quoi que ce soit. Et oui, c'est là qu'on doit dire good game normalement, hein, parce que t'as perdu. Ah, on me rattaque ou ça? Ah là! Oh là là, la petite bataille. Non mais, t'es sûr que tu veux te battre? Je veux dire, regardez la vitesse où on rase tout, quoi, là. Oh, il essaie de produire des troubles. Oh, je suis impressionné. Voilà. En 2 secondes, il n'y en a plus. Ah, on m'attaque? Où ça? Ah, de cette vête là. Affirmative.
et il n'y aura vraiment plus une seule unité debout à la fin de cette mission. Bien, 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 bien. Non. Comme vous voyez, ouais, 2000. Bon, allez, hop, allez-y. La vitesse, regardez, les points de vie, à la vitesse où ça descend. À votre service. La seule chose qui m'attend, c'est la mort, traître. Je m'attendais à ce que vous essayiez de libérer votre héros. Vous allez apprendre que la volonté du conclave est toujours respectée. Que la volonté d'Adun soit faite. Il suffit, Judicateur. Aucun des compagnons de Tassadar ne mourra tant que les Templiers Noirs vivront. Rappelez vos gardes. Et vous vivrez peut-être pour voir un autre jour. Je n'obéirai jamais à quelqu'un qui s'est autant éloigné de la lumière de la Kala. Vous et les vôtres allez périr avec les traîtres. Êtes-vous si aveugle que vous ne voyez pas le précipice à vos pieds? Le conclave croit que vous êtes en train de gagner la guerre alors qu'il ne fait qu'aider l'Overmind à vaincre. Et que croyez-vous savoir de nos desseins, blasphémateurs? Vous parlez de connaissances, Judicateur. Vous parlez d'expérience. J'ai voyagé à travers les ténèbres, entre les étoiles les plus distantes. J'ai assisté à la naissance de soleils négatifs, et peux témoigner de l'entropie de réalités entières. D'après mon expérience, Aldaris, tout ce que vous avez construit ici sur Aiur, c'est un beau rêve. Vous dormez, et il faudra un jour vous réveiller pour faire face à un vrai cauchemar. C'est ce que nous verrons. Et voilà, fin, nous avons gagné. Mais bon, c'était une victoire écrasante, hein, on va le voir dans les stats. Alors, aperçu, oui, on voit, hein, victoire écrasante, unité. Ah, vous avez vu, hein, comparé à la mission précédente, mais c'est, ça aurait dû être l'inverse. Hein, c'est cette mission-là où ils auraient, cette mission-là où ils auraient dû produire à mort des unités. Parce que moi, par contre, j'ai quasiment rien perdu. En bâtiment, comme vous voyez, ils ont rien. C'est ça le pire, c'est que cette mission-là, en fait, elle est vraiment beaucoup plus simple que la précédente. Par contre, ils ont récolté plus que moi en gaz. Et pourtant, vous avez bien vu comme j'ai récolté comme un malade, quoi. Wow. Bon. Allez, maintenant, les chasseurs de l'ombre. Entaro Adun, l'exécuteur. Je vous suis éternellement reconnaissant de m'avoir libéré. Par tous les dieux, nous vaincrons. L'heure est encore venue de laisser place à la fureur des Templiers Noirs. Zeratul, il est peut-être temps de dire à nos alliés à quel ennemi nous avons affaire. En effet, quand j'ai éliminé le Cérébrat sur Char, j'ai brièvement touché l'essence de l'Overmind. À cet instant, mon esprit a été rempli de ses pensées. Et je peux vous affirmer que nos plus terribles peurs sont devenues réalité. Les Urgs ont bel et bien été créés par l'Ixel Naga, ceux qui nous ont donné naissance. Mais l'Overmind est allé au-delà de leurs attentes et il a terminé les expériences que l'Ixel Naga avait commencées. Ainsi, vous le comprenez, mes amis. Nous ne combattons pas que pour sauver Aiur, mais la création tout entière. Si nous perdons, l'Overmind pourra s'emparer de toutes les étoiles, consommant toute intelligence, toute vie. C'est à nous de mettre un terme à cette folie, une fois pour toutes. Nos forces vont attaquer la ruche principale pour réduire ses défenses. Une fois qu'ils seront moins nombreux, Zeratul et ses compagnons pourront infiltrer les ruches et assassiner les Cérébrates. Si Adun le veut, la mort des Cérébrates devrait nous permettre d'attaquer l'Overmind directement. Bien,
Mission qui va être assez sympathique, mais qui sera pour la prochaine fois. Parce que là, bah oui, hein, c'est la fin. Et donc, bah, moi, je vous dis bah, la prochaine fois pour la suite de StarCraft. Et bah, bien sûr, nous entamerons la dernière ligne droite, hein, si je puis dire. Parce qu'il ne reste plus que 2 épisodes dans l'épisode, dans la campagne principale. Mais bon, vous inquiétez pas, on est loin d'en avoir fini avec StarCraft, parce qu'il reste, bien sûr, l'extension. Bon, mais là, on est encore un petit peu trop tôt pour en parler, donc je vous dis à la place, ciao, et à la prochaine pour la suite de ce Let's Play. Allez, bye tout le monde !